Salut, c'est Zugi. Donc voilà, en ce moment là, en plus c'est l'été, j'étais en train de chercher un ventirad. Et puis j'ai retrouvé l'ancien que j'avais mis sur mon ancien AMD. Et je me suis dit, je vais mettre celui-là en attendant, tu vois. Parce que l'année dernière c'était le meilleur, mais cette année c'est plus le meilleur. Il est encore bon, mais c'est plus le meilleur. Donc le truc c'est que je vais essayer de le mettre. Et puis on verra. Sinon, je comptais prendre le OCZ Vendetta 2. Mais pour mieux, j'ai le Coolmaster Hyper 212. Donc voilà. Et puis comme je vais mettre lui maintenant, enfin tout à l'heure, ça mérite de faire une vidéo. Voilà. C'est pour tout socket. C'est un Zalman. Fatality, le FS-T77. Voilà. Il s'illumine rouge. Il est très lourd et très gros. Voilà, tout en cuivre. C'est un monstre, quoi. C'est un gros monstre. Avec les sockets qui vont avec. Hein. Moi, je gardais que celui de 715, hein, parce que c'est lui que je vais mettre. Avec, j'ai commandé la pâte thermique, la Arctic Silver 5. Et ça, c'est toutes les vis et tout pour le fixer, quoi, avec ça. Bon, on va essayer juste de le brancher pour vous montrer comment il est. Hop, voilà. Donc, ça. On va le mettre là pour l'instant. On va le mettre là et on va le brancher, mais c'est trop court. Bon, hop. Voilà, juste pour vous montrer. Alors, il est là. Voilà, on entend bien le bruit en tout cas. Hein, c'est il fait beaucoup de bruit celui-là. En tout cas, il refroidit méchant. Hein. Donc voilà, je pense mettre lui. Normalement, par rapport à mon Intel, le Radbox là, tout pourri. Ça sera mieux. Et puis je vais pouvoir overclocker sûrement à 3,8 serein. Donc ben voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo du petit Zalman. Et merci encore.